Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est VOA Créole qui a entré la CAO avec même plaisir pour le présenter au programme dans la langue créole haïtien. Jeudi, c'est mercredi 10 septembre 2024. Moi, c'est Jacques Lamélisère. Quelques grands points cap dominé. Actualité. Actualité électorale aux États-Unis. Assoya, plusieurs dizaines de millions d'Américains pral suivre débat électoral entre vice-président démocrate Kamala Harris et ancien président républicain Donald Trump. Lancement jeudi, exercice militaire russe avec la Chine dans le cadre mouvement gros dimension qui relaie Océan 2024. Washington dit pas gain danger. En Haïti, marathon pour la paix, une initiative de l'église Saint-Vincent de Paul et la police nationale. Donc c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment et jodi on te grand pile plaisir accueillir quelques amis le nouveliste qui t'est visité service que là na wè ça nan fin programme nan n'a commencé avec un gros point dans actualité jodi a c'est pral débat premier et unique débat entre vice-président démocrate Kamala Harris et en face li abgen ancien président républicain Donald Trump. Pour un pile spécialiste, Jean-Aubert Philippe qui a suivi pour nous de très près. Jean-Aubert Philippe, pour un pile spécialiste, c'est un moment très important, déterminant. Mon cap parle français, on t'a dit, c'est son moment charnière dans la campagne électorale présidentielle ici aux États-Unis. Ou à suivre, dis-nous plus. Effectivement, Jacqueline, c'est inédit, on est capable de dire, et c'est une dit pour la première fois un débat présidentiel avec une femme minorité noire d'origine étranger quand même, et puis avec un président sort qui retourne encore une dernière l'autre mandat. Donc son débat qui est longtemps de vieux tabatani, puisque dans le premier temps, il y a un paquet de discussions qui ont fait qui j'en débatté de hier, mais en même temps, tout, et Kamala Harris, qui représente le Parti démocrate là, et bien lui-même, il était quoi que capable de faire débat avec Donald Trump, qui lui-même, au compte de Donald Trump, il minimisait et rival là, qu'en face là, et il fait connaître lui-même, là, il font seul boucher avec Kamala Harris, contrairement si c'était ancien président ou bien président Joe Biden. Son débat qui est en pile dans la bataille et qui est par la tire en pile observateur. Pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Tout. Ancien président Donald Trump a essayé de retourner dans la Maison Blanche après une absence de 4 ans. Rival démocrate Lia, Kamala Harris, qui a cherché à tourner première femme noire qui a une origine étrangère pour venir gagner une pigo fonction dans le pays. Électeurs américains yo a demandé si oui ou non li capable de continuer course là juste dans victoire finale. Dernier débat côté ancien président Trump t'a participé t'a metté adversaire à KO en parlant de président Joe Biden dans fin mois juin. Après débat ça, président t'a annoncé li pa pral derrière l'autre mandat encore et li s'est déplacé là par vice-président Kamala Harris. Canal fait connait débat jeudi a c'est plus que un spectacle. Chaque candidat pour chercher marqué point sous l'autre là dans un pays qui divisé en pile. Chaque candidat présenté sous podium nan avec un style différent. Trump t'a attaqué Harris sous intelligence li et li prédit. He is a smarter person than she is. Oh, they're waiting for the debate. And here's Harris. Chance li contre Kamala Harris pi bon parce que chance li te gagné devant Joe Biden. Ancien président déclaré président Joe Biden pi intelligent que Kamala Harris. Oh, il y a plein de débats. Vice-président Kamala Harris, beaucoup de parle des points, on pose dans répétition pour débat. Et il était profité parler avec la presse, côté lui dit, moi, finalement, prends une pause dans préparation pour débat. Pour me garder l'autre bagaille, c'est meilleur parti dans préparation débat. Jusqu'à présent, les journalistes m'ont dit candidat parti démocrate là, qui ça, l'état vraiment voulu Trump apprendre. Harris se répond, look, it's time to turn the page. Il y a un pile bagaille. Il est pour nous virer page là, sous bagaille qui pis sérieux. Il est pour nous unir pays, pour nous prendre une route tout neuf, pour nous avancer la donne. Débat de Biden nan, en juin passé était attiré plus passé 51 millions de téléspectateurs, monde qui t'a regardé sur télévision. Quelques analystes déclaré yo espéré débat mardi soir à partir plus téléspectateurs toujours à cause sa deux candidats yo a cherché accompli. Ned French, qui a pensé communication dans Wake Forest University, parlait pour dire Trump voulait prouver qu'il est capable président. Il doit prouver mon cap garder lieu et puis prouver que il a un moyen agressif sans pas brutal pour capable attirer monde qui peut monter à bord train là.
Kamala Harris, bon, il parle, doit prouver, lui, c'est capable, candidat présidentiel là. Lui, doit montrer, lui, capable, attaquer et démontrer que politique, lui, différent avec politique Biden, là, même là, il y même plateforme démocratique là. Modérateur parle poser candidat yo question sur sujet important en cours économie, droit et production, politique affaires étrangères. Jérémy Souri, un professeur histoire dans l'University of Texas dans Austin, déclaré débat by deux candidats yo un passage à cause yo capable déclarer ça ou les faire, ça ou vle accompli sans pas besoin expliquer qui Jean yo pas le faire. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, toujours dans l'actualité électorale. Et puis ici à Washington, il y a un président chambre des représentants et le Speaker of the House, en parlant de Michael Johnson, et bien le remettre Jody Madia. Plus gros distinction que Congrès a jamais remettre, c'est médaille d'or. Congrès a libéré à 13 et militaires américains, et bien c'est dans mémoire que yo même te mouri lorsque yo tap gen retrait dans Afghanistan. C'est un sujet tout qui dans mi-temps et campagne électorale là retrait que et ben américain te fait dans Afghanistan. Et puis l'autre point dans actualité internationale là gen lancement jodi a exercice militaire russe à la Chine dans cadre mouvement gros dimension qui relé océan 2024 là. Washington dit lui-même pas gen danger en alors ça vibre. Bateau de guerre la Russie ak pays la Chine commencé jeudi mardi 10 septembre nan manœuvre nan nord la mer Japon nan cadre exercice naval gros dimension qui relé océan 2024 que président russe Vladimir Poutine ouvert pendant li dénoncer action agressive les États-Unis. Les États-Unis provoquaient une compétition côté pays à chercher plus d'âmes passer l'autre sans pas considérer sécurité alliée européenne et asiatique et comme ça yo créé conditions qui annonçaient une situation dangereuse critique en Europe et dans la région Asie-Pacifique là. Moi t'as remercié aller que la Russie doit parer pour faire face à n'importe qui évolution dans situation ça. Et l'armée doit assurer une défense fiable pour souveraineté et protection intérêt la Russie. Pour expliquer exercice ça yo, la Chine et la Russie la gè gros critique sous Washington. Washington qui dit ça pas fait ni chaud ni frais, nan voix John Kirby, porte-parole sécurité nationale la Maison Blanche. I see no reason for us to change our own. Moi, pas ouais, aucune raison pour nous changer position militaire nous ou soit position la force nous après exercice ça yo. C'est un exercice planifié depuis longtemps. Ça fait partie du régime yo. Qui donc n'a pas gardé yo, n'a pas suivi yo, mais pas gagné rien. Aucun qui a sauté sous question ça. Manœuvre militaire ça yo qui commence jodi a et qui a fini 16 septembre qui a vin là, relé océan 2024, y a déroulé dans océan Pacifique, Atlantique et dans mer Méditerranée, Caspienne et Baltique, d'après ministère de défense pays la Russie. La Russie qui lui-même a organisé exercice ça yo. Au total gagné 400 bateaux de guerre russes, 120 avions et hélicoptères et 90 000 personnes qui mobilisés pour exercice ça. Donc, c'est une opération qui commence jeudi et a fini 16 septembre. Et puis, n'a pas suivi pour. Et puis, l'autre point dans l'actualité, il y a un bureau fédéral qui continue à mener enquête sous magistrat ville New York, Eric Adams. Et hier lundi, agent FBI a été saisi téléphone plusieurs officiels qui étaient fait partie de l'administration LIA et ont été fait la descente de lieu quand un bras droit magistrat qui vient accentuer une enquête criminelle que yo a mené sous magistrat démocrate là. Valérie Saint-Louis, depuis New York. Magistrat ville New York là, Eric Adams a fait face à gros questions qu'a soulevé dans moment sous capacité le boule gouverner après que investigateur bureau fédéral yo FBI t'ait saisi téléphone plusieurs officiels qui fait partie de l'administration lien. Ça qui vient aggraver une enquête criminelle séparée qui déjà t'a mené sous magistrat démocrate là. Hier mercredi, agent fédéral yo t'ai confisqué appareil électronique dans main commissionnaire la police magistrat Adams là qui c'est Edward Cabin. Adams t'ai nommé Cabin, yo officiel vétéran police New York là comme commissionnaire police là pendant période été passé à lycée premier latino panyol qui vient à diriger pigro force police dans pays à yo te saisi tout appareil électronique dans mes chancelier responsable école cap travail dans administration li ensemble avec deux magistrats adjoints li et puis plusieurs autres monde qui concernés
Officiel sa yo ki implike, autorité yo pat akize yo de aucun crime jusqu'à présent. Mais qualité persécution sa yo kap fait sous magistrat ville New York la, vin ajoute yon doute suspect sous Eric Adams, qui n'a pas rappelé yo, c'est yon ancien commandant la police ville la, qui te gen yon bon réputation comme yon champion dans affaire respect la loi ak l'ordre. Doute sa yo te vin mette en question tout, capacité administration Adams la, pou le rete concentré sous service y gen pou l'bay, pi gros ville nation. Eric Adams, qui sous premier mandat comme magistrat Villa, te démenti dit que le pat commet aucune mauvaise action. Autorité fédérale te mené plus enquête toujours, côté qui te mandé pour sécurité yo information additionnelle sous Karl. Yon porte-parole FBI te refusé faire commentaire sous ça. Mais selon plus détails que VOA Creole arrivé joindre, agent FBI yo te saisi appareil électronique la caille Philip Banks, magistrat adjoint pour sécurité publique Villa, ak China Wright, premier adjoint magistrat. Selon ça quelque monde te dit sous condition anonyme parce que yo pas gen autorisation pour discuter sous enquête qu'a fait là. Agent FBI yo te fouillé tout Kai Timothy Pearson, yon ancien officiel département de la police New York là, qui kounye a conseiller magistrat sous sécurité publique. N'a rappelé que Eric Adams vin élu magistrat ville New York là en 2022, après que le te servi comme président municipalité Brooklyn nan, et puis comme sénateur État. N'a rappelé tout que dans mois novembre année passée, agent FBI yo te saisi téléphone ak iPad magistrat pendant que le tap quitte yon événement dans Manhattan, et puis yo te envahi Kai yon nan pi gros associé li yo qui fait fundraising ramasse l'argent pour lui. Li même ensemble ak bras droit campagne te recevoir sommation nan men commissaire fédéral yo nan commencement été ça. D'après yon moun ki gen connaissance sous dossier ça, li dit que dernier sommation te mandé information sous horaire magistrat, voyage à l'étranger ak potentiel connexion li à gouvernement pays la Turquie. Lisa Zumberg, principal avocat mairie, te dit dans une déclaration que investigateur yo pas indiqué que magistrat Adams ou soit employé li yo ta des cibles dans enquête que bureau fédéral yo a mené dans moment. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valerio Saint-Louis. Et puis dans la région Moyen-Orient, toujours gen en pile débat, en pile réaction après Damsa qui a 26 ans, qui est assez nul ER Esgi et Igi, qui a 26 ans, qui c'est une américaine turque qui mourit dans la Cisjordanie alors qu'elle a participé à une manifestation pro-palestinien. Et c'est un soldat israélien qui t'a tué. Et d'après dernière réaction qui sortit dans l'État hébreu, donc en Israël, eh ben, c'est pas accident que ça t'arrivait côté que, Damnan, militant de 26 ans, ça, eh ben, il était pour une balle dans la tête. Et après ça, il mourit. Et funérailles à fête hier, c'était gros cortège qui était fait dans Cisjordanie côté au tap et chanter funérailles militant de ça qui est américaine, turque. Et États-Unis étaient déjà réagi pour dire que l'a rassemblé information pour le connaître exactement ça qui t'est passé dans l'occasion ça. Ou souvez ou à créole, ou à suivre yon programme dans langue créole haïtien. Et oui, au sauvé ou à créole, observion programme dans langue créole haïtien, gros événement, jodi a, qui domine actualité a, et ben, c'est débat qu'pal gen à Soya, entre vice-présidente démocrate Kamala Harris, et ben, l'ap gen en face li, et ancien président républicain Donald Trump. C'est un débat qui est très important, et pour tout le monde qui a analysé, c'est un moment très important dans le cadre de campagne électorale là, pour élection qui pourra le dérouler 5 novembre qui vient là. Donc, restez branchés sous VOA Creole, surtout sous VOA Nouvelle, sous plateforme VOA Nouvelle, pour nous capables de suivre le débat ça avec traduction en créole. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, pendant les policiers Kenya en Haïti, eh bien, ils là pour aider dans le combat contre gang Ameo et dans Nairobi, activité à fait pour ramasser l'argent. Gentil Augustin Junior, gain détail. Nan Uhuru Park nan Nairobi, yon konsert ak yon festival kiltirel ki te fèt nan objektif pou motive moun ak ramase l'ajan pou yon proje imanite an Haiti. Principal sekretè kabine Kenya, Masairia Mundavadi, di: "When we talk about issues of security, lè nou pale sou problèm sekirite ak la pè, nou bezwen ale pi ou. Nou dwe soti nan sekirite nasyonal pou al nan sekirite rejonal, nan sécurité internationale, et puis
finalement, dans la sécurité humaine. Sécurité humaine, c'est l'objectif final du projet. Le conseil a été chargé à Katis que le public l'a bien connu. Et l'argent qu'il a ramassé pral pour protéger la population qui plus n'a besoin. Bay manger ak soin santé. Et puis, combattre gros crise grand goût qui en Haïti. Violence gang rival ravage Haïti. Côté gang yo te commencé attaquer poste policier, aéroport international là et puis te poussé do presque plusieurs centaines milliers moun. Alexander McDonald, haut commissaire Barbados pour Kenya dit. Our Kenyan moun Kenya nou yo. Frère accès africain nou yo. Nous-mêmes peuple Caraïbe là. Dis-nous merci dès que nous t'es rentré dans le monde là. Et puis, pas seulement t'es venu joindre nous, mais tout, n'a pas dirigé. Nous garder sous de l'eau avec la mer qui connecte nous yon avec l'autre. Et puis, longer main pour aider nous. Ça gagne yon l'année, pays Caraïbes là, t'es mandé aide pour combattre violence gang qui envahit capitale li, Port-au-Prince. Réponse pour demande Haïti, t'es printemps à cause, c'était une bataille pour joindre pays qui disposait diriger mission assistance sécurité. Kenya t'est accepté et environ 400 police t'est arrivé dans capitale là, Port-au-Prince. Dans mois juin ak juillet pour arriver dans un total que yo t'est planifié pour 1000 agents police. Yon ti poyen l'autre pays te promet que yo t'a pral mette tête yo ensemble pour voyer au moins 1900 policiers en plus ak plusieurs centaines millions dollars comme support. Jusqu'à présent, c'est 68 millions dollars qui allaient dans yon fond confiance que Nations Unies te dispose pour mission. Et puis, vendredi 6 septembre passé, Conseil sécurité Nations Unies te commencé considérer yon projet résolution pour prolonger mandat yon mission sécurité international et puis mandé Nations Unies pour faire plan pour tourner une mission officielle pour la paix. Conseil 15 membres programmé pour voter 30 septembre pour changer nos missions. Secrétaire principal cabinet Kenya Masailia Mudavadi dit non harmonie for Haiti que sécurité, la paix et comportement humain yo tout ma connaît ensemble. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil. Sous même dossier, a gagné un spécialiste dans affaires sécurité qui réagit sous démarche pays tant que les États-Unis avec Équateur a fait pour ta changer mission et dans pays d'Haïti en parlant de mission multinationale pour soutien sécurité dans pays d'Haïti pour ta changer dans mission la paix onusienne et Massado Vilmé, gagne détail. Décision sa autorité américaine voulait prendre pour changer mission multinationale soutien à la sécurité en opération médecin la paix Nations Unies pas privé fait. C'est opinion yon et spécialiste dans affaires sécurité, ancien colonel Imler Rebu. C'est les États-Unis qui ont constaté dans l'ONU, li pat kap voye on force onusienne. Ces affaires étaient organisées pour te kap voye on force que lui-même li organisé, lui-même li mandé autorisation. Pour le cap voyer. Il dit c'est lui-même qui pourrait chercher moyen de financement. Depuis là, il a commencé à parler sur l'idée, moi dit que son mouvement nul y a fait, pas un grain à côté pour Kenya, t'as qu'à venir résoudre problème insécurité ça qui est en Haïti, j'en lié à. Mais quand il a venu arriver sur le terrain, il n'y a pas qu'un qui j'en pour le faire, ça pour le faire parce qu'il n'y a pas voulu résoudre le problème non, vraiment. Donc, à faire force. Bon, qui veut faire force onusienne dans vini là? Puisque tout Ariel Henry était là, il n'y a pas de cap faire vini parce que la Chine et la Russie pas d'accord. Donc, brusquement, la Chine et la Russie pas d'accord? Non. Par exemple, force ouais, vous faites vini là, la Chine et la Russie te quitté le vini parce que c'est eux qui te prennent l'initiative. Ils ont dit, OK, ils n'ont pas voté contre lui. Ils n'ont pas, ils ont fait abstention. Ils ont mené le vini. Mais ils ont mené le vini, ils ont, ouais, même cover-up operation que tu voulais faire, le Kenya n'a pas faire. Donc, avant de dire que tu ça n'est pas passé. C'est pendant le mois d'octobre que tu venu là pour faire une année depuis le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé le déploiement de forces multinationales en Haïti. Toutefois, sur 2500 policiers qui ont débarqué dans cette mission, c'est seulement 400 qui sont présents.
Alors que depuis mois d'août là, la police nationale fait connaître yo tamen yon série opération contre plusieurs foyers gang qui dans région métropolitaine là. Côté yo fait connaître plusieurs bandits qui tombaient ak plusieurs armes yo saisi tout. Selon ancien colonel Imler Rebi, ça pas gagne rien pour ak opération. Pas opération, c'est pas ça comme opération. C'est pas ça comme opération. La police a fait travail li. Moun ki mène opération qui gagne de décision ordonnée. Censé c'est bandit. Tout ça bandit fait écrit dans le livre opération. Jean le Kenya fait paraître, yo testé Kenya pour yo sur qui ça Kenya campé. Yo fait harcèlement. Yo fait harcèlement territorial, ça veut dire que yo pose un problème dans quoi des bouquets. Yo pose un problème dans Grissier. Yo pose un problème dans Gantier. Tout c'est pour qui je force à réagir. Pas cap jodi a mené opération terrestre sans qu'on pa gen visibilité aérienne, sans qu'on pa gen surveillance aérienne, parce que faut wè l'on a terre ou pa ka boue même point ou pa take a. Donc faut gon moun an lè qui pou orienter sou positionnement troup yo. Nan nèg yo met fè film nan, mais nou film nan rele comme si. Donc on va faire comme si la sécurité est rétablie, comme la sécurité est rétablie. Nous pouvons faire des élections parce que faut yo al nan élection pour yo kap protéger tête yo. Nous doit dire ou pa gen aucune machine qui fréquentait rentrer site capital là pendant toute journée lundi 9 septembre 2024 là à cause intervention la police dans zone portail Léogane ak zone qui entoure lieu. VOA Créole Port-au-Prince. Et puis paroisse Saint-Vincent de Paul en tête collée à la police communautaire lancé un marathon pour la paix dans Pétionville dans occasion célébration 60e anniversaire existence l'église Saint-Vincent de Paul dans Thomas 25 Yves Manuel. Journée marathon ça qui prévoit 21 septembre qu'a venir là pour réunir diverses catégories tant que femmes, garçons, jeunes qui gagnent l'âge 14 à 17 ans et la trier. Coup d'envoi course pour la paix a démarré sous place Saint-Pierre dans Pétionville pour aller bout devant l'église Saint-Vincent de Paul dans Thomas 25. Jenan Félix Désir, c'est représentant PNUD dans cadre d'activité ça. Marathon pour la paix, côté que jeune tout côté et moins jeune tout. Pour le mettre ensemble, pour yon marcher, pour yon courir, pour yon faire jogging, pour la paix. Donc, n'a sorti place Saint-Pierre, à bon point tout, dans Pèlerin 5 pour moun qui pas pensé que y'a pas sorti depuis place Saint-Pierre pour yon monter jusqu'à les Thomasins. Moun qui a éligible pour prier, c'est moun qui a sorti de Saint-Pierre, yo. Premier moun qui arrivait, l'a bien $1,000 américains plus prime. Deuxième moun, a bien $500 plus prime. Troisième moun a bien $300 plus prime et de quatrième à dixième y a recevoir $100 américains comme récompense. Marathon pour la paix fait dans occasion célébration 60 l'année existence paroisse Saint-Vincent de Paul dans Thomas 25. Représentant l'église là Frenel Liberus bat bravo pour événement ça qui selon lui-même pral animer géniaux positivement. Donc c'est une activité c'est qui t'a supposé faite j'ai commencé à dire dans différentes régions côté ça avait des jeunes yo pendant yo gon motivation c'est alcool pour la paix donc ça va empêcher nous arriver dans essayer de déblouser dans communauté à toi. La police bon côté pal a répondre présent dans marathon ça dans l'idée pour sécuriser athlète yo et ba yo toute l'autre assistance qui nécessaire. Commissaire Étienne Jean Salvador. Donc son course qui jodi en là gagne en pile partenaire qui a metté main pour yo voir comment il est capable de réussir dans situation qui si difficile que nous connaît. Donc nous pensons que c'est pas dernière là pour année. C'est n'a bien d'autres activités comme ça sous d'autres régions et d'autres zones métropolitaines et d'autres villes de province. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Pour VOA Créole. Nous, dans la dernière ligne droite du programme, nous prenons le pays d'Haïti. Certains secteurs dans la vie nationale ont fait pression sous conseil présidentiel transition pour mettre campé conseil électoral provisoire dans l'objectif organisation élection générale. Ou dans tout ça. Certains leaders dans la société civile haïtienne, parmi eux, M. Camille Oxius,
directeur exécutif Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, et Joseph Domingue Ogila, président Conseil national Société civile haïtienne, mandé Conseil présidentiel transition, pressé mettre campé Conseil électoral provisoire dans cadre organisation élection générale pour renouveler personnel politique là en Haïti. L'important pour nous gagner institution ça ou bien conseiller parce que l'institution est toujours là pour nous gagner monde qui vient former conseil électoral là qui pour mettre machine en branle pour préparer élection même s'il y a problème parce que problème qui vient là c'est dans la zone métropolitaine qui est en tout sous département la Tibonite. Donc à dire c'est deux départements qui ont problème et c'est pas toute commune dans département qui a problème. Ça veut dire élection qu'a fait si il y a volonté politique. Pour nous-mêmes, il y a une nécessité pour que l'élection organisée, et c'est pour ça, nous-mêmes, nous encourager acteurs concernés, prendre disposition pour et contribuer dans mettre un conseil électoral campé qui prend le travail sous aspect technique, pendant encourager l'autre acteur pour travailler pour résoudre le problème politique, car dans la question élection, il y a deux aspects, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect politique. Donc, l'aspect technique, ça revient au conseil électoral et l'aspect politique revient aux hommes et femmes politiques. Donc, nous souhaitons tout acteur au niveau par contribuer pour permettre de résoudre le problème institutionnel qui a ravagé le pays. Pendant que principal leader opposition haïtienne en Haïti, Jean-Tel Joseph, qui a dirigé un regroupement politique rivière nationale, dit pas d'accord avec démarche ça. L'opposition n'a pas participé à la tractation, mais a parlé de l'élection. Deux plus grands électorats du pays, c'est le département de la Tibonite et le département de l'Ouest. Le département de l'Ouest, il prend en otage. Le département de la Tibonite, il prend en otage. Quand on va le mettre bête, quand on va le passer pour organiser l'élection, est-ce qu'on peut parler de campagne électorale aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut être tombé sous tête? En tout cas, représentant tout secteur qui doit constituer conseil électoral provisoire, tant que par exemple l'Église catholique, la presse, droits humains et divers autres, déjà transmettent non représentant yo by conseil présidentiel transition. Selon accord 3 avril 2024 là, 7 février 2026, yon président élu doit remplacer équipe transitionnelle là. Ou nan tout ça pour VOA Creole. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, nous pratiquement arrivé dans fin programme là. Jodi c'est avec grand plaisir que nous te recevoir deux confrères, le nouveliste qui t'est passé ouais nous pendant yo dans Washington et ça fait toujours plaisir de nous recevoir confrères nous yo, confrères haïtiens pareil nous yo. C'est d'abord rédacteur en chef le nouveliste Franz Duval et directeur information dans Magic 9 Robertson Alphonse qui t'est gain avec tout compagnie Nathalie Cadichon, c'était un bel moment, son moment de photo, son moment de vidéo et nous t'est passé nous connaît comme journaliste, nous échanger information compréhension nous de certaines choses. Nous t'ai parlé tout de débat qu'il y a à Soya et dans Philadelphie entre Kamala Harris et Donald Trump. On idée de qui j'ai ambiance là dans le moment que nous t'a fait photo et nous t'a gagné dans tout. Okay. Nouvelle liste passe à la voix de l'Amérique, et c'est un plaisir pour nous, Washington, et nous trois, Fon Devin Ouais, et Douane Washington, la voix de l'Amérique. Et la voix de l'Amérique, content de recevoir nous, merci. C'est toujours un plaisir. Ça, est-ce que l'activité opérationnelle dans la zone Sayo, mais n'apprenne que, et bien, moment n'a pas l'air là. La police, l'armée d'Haïti, yo encore présent dans ensemble de espace qu'en société là yo et yo présent avec différents blindés et yo continuer à récupérer un ensemble de espace, yo continuer à repousser, neutraliser, dénicher les mandats monsieur Long et les informations que nous même qui viennent jeune nous. En parlant de ça désir, c'est pas seulement dans question opération que force de l'audio mobilisée, motivée pour capable dénicher les mandats mais yo, mais n'a regarder à travers
vidéo ça et même gens de l'autre vidéo sur réseau hein. D'abord n'a regardé la police à travers différentes unités mener opération dans crise dans quoi des bouquets y arriver récupérer une machine que bandi 400 maozo yo te kon utiliser pour que capable commettre de action malhonnête kidnapping salier hein. Mais la police river récupérer comme d'a dit là a confisqué machine ça et en même temps tout désir qui ont information qui virale sur réseau et moi pile zami capable croire vidéo ça c'est une dame bam dit comme ça une dame qui lui-même habillé avec uniforme la police sous lui et zambokot li il était débarqué dans commissariat Delma 33 et gèl avec un proche li bakoun ça était réglé bakoun ça qu'il était réglé en dedans commissariat Delma 33 et bien dans l'aide que dame ça arrivé dans jeu que l'a parlé, dans jeu que l'a échangé avec policier qui était de service, parce que pas oublié et la police là, il y a un langage, il y a un jargon professionnel, il y a des gens policiers à parler ou même qui pas policier, ou pas comprendre rien, c'est comme ça là et même gens nous même comme journalistes, il y a des jargon que l'a utilisé là ou sous pas journaliste ou pas comprendre yo. Et bien dans jargon que policier ça qui au même t'es dans commissariat Delma 33 t'a utilisé avec dame ça qui lui-même t'a rentré en dedans commissariat Delma 33 avec uniforme sous lui, zamboko li, et bien dame n'a pas qu'à échanger avec police yo, qui donc li pa gen langage et langage la police là. Et bien de ce fait, police yo rivé maîtriser li yo juste prend li yo deal, yo à la veille pour capable questionner pour qu'on exactement qui est lié et ça passé qui fait que li vinn dans commissariat et ça vinn régler et y a parlé avec dans langage professionnel yo, elle pas qu'à répondre avec question. Donc ça, c'est pour montrer que dans le moment, faut nous veiller toutes affaires, faut nous veiller toutes mauvaises affaires, faut nous veiller toutes malfaites, toutes plimes, toutes plimailles, cap utiliser et plusieurs stratégies pour capable dévier travail la police, pour capable dévier travail et force de l'audio. Parce que imaginez nos désirs, dans le moment ça, que gens qui ont une mobilisation qui a fait, bon côté autorité, bon côté la police, pour moun ta pedi, je crois, j'en dis, et pour ta habiller en uniforme la police, pour aller dans le commissariat, pour aller dans le bagay, alors que l'herbe questionnel, il n'y a pas même qu'à répondre avec ça que l'Ivini Gaudi Moske, avec uniforme qu'elle portait comme quoi qu'elle t'a appartient avec institution de la police. Là. Qui donc des Simenes, n'a dit que travail ça yo, yo vraiment après possible, bon côté force de l'audio, pendant ces temps, en plus mon attendre que vraiment, que la police n'a que force de l'audio, parce que attendre mon yo poko commencer combler du tout. Faut me dire ça oui, attendre mon yo poko commencer combler, parce que yo dit, jusqu'à présent ça, y a tant c'est à chercher, hein, yo poko joindre ni. Et qui l'a joindre ni, et pour qu'il ait jeûné, jusqu'à qu'il ait jeûné, est-ce que l'autorité là est vraiment motivée, mobilisée, pour permettre que l'espoir, la paix, blahi et la caisse citoyen, c'est des questions que nous avons posées, Désir Venesse. La situation, tant que je dis, tout le monde a remarqué, et situation si là, qui en est dans la police, il paraît très difficile, il y a des infiltrations et de toute qualité uniforme que la police utilise, côté nèg exam, utilise femme ou garçon, ou mettez dans la rue, pour capable infiltrer, kidnapper moun, avec uniforme, et il y a diverses propositions qui fait déjà. Sous question uniforme, yo, est-ce que vous capable de changer, ou bien garder une autre manière qui permet que les policiers qui parlent dans la gang, identifier ensemble policiers qui dans la gang. Avec grade inspecteur sous épaule d'Amza, la police arrête. Selon ça, elle dit, il y a une machine BMW qui l'a piloté. Vous attendez dans cette vidéo à côté policier ou à Mandel, côté machine, il dit c'est un BMW lié. Et en pile, monde tout a questionné. Après, le policier fin de découvrir son faux policier qui ça permet qu'il y ait attention ça en ville. Avec sagesse, ça mette le devant machine, sans minoter. En pile, on a posé des questions sur ça. Et yo fait quoi? Dame ça, en pile policier toujours à bal talon dans la rue. Quand croise la bal talon normal parce que connaît son vrai inspectrice qui dans la police. Ça veut dire ou pas qu'à imaginer combien nèg qui utilisait uniforme avec grade ça yo pour faire des bagages malhonnêtes dans le pays. C'est ça que Ken doit dire nan vini. Nan mi ramo comme directeur général de la police, il y a des avancées considérables qui a été fait. Parce que depuis tant pas de gens rien que mon te découvrir qui t'a fait. Malgré toute dénonciation qui était faite, dit qu'il y a des policiers qui n'ont gagné, mais en plus, fois, c'est uniforme que nous avons utilisé. Ce n'est pas des vrais policiers et des bons policiers. Bien que, il y a des bons policiers, il y a quelques bons grains policiers qui passent à l'académie, qui sont dans l'institution, qui démêchent avec ça, qui gagnent là, il y a des personnes. OK? Mais
en pile fois, c'est uniforme qui gagne par-ci par-là, non façon et que la police arrange pour permettre que les policiers aient acheté uniforme, acheté matériel de travail, ils viennent que par la bonne facilité, Blaise Peterson. Eh bien, autorité américaine ou de communauté internationale là, continue à débarquer dans le pays avec blindé MRAP. Blaise Peterson. T'as qu'à dire que la République, il y a un problème, blindé MRAP. Ok? Selon information, c'est en total 134 blindés MRAP et Max Pro qui déjà rentré dans le pays qui sorti vers les États-Unis d'Amérique. Au total. Ok? Si la PC nous regarde, ensemble chiffre ça, qui porte quelque chose pour la République, qui porte quelque chose, qui porte l'espoir. Mais Kounia, tant que tu es dit de cette personne, est-ce que volonté à lui marier entre force de l'ordre national avec Sila ou qui sortit dans la communauté internationale là, dans divers pays? Et étude qui a fait, yo dit, qui pourra laisser d'autres regarder si on peut transmettre mission ça en mission et de l'ONU, peut-être l'ONU. Pour combien de temps qu'il y a pris? Parce que, Blaise, nous n'y pas capable encore. Nous n'y trouvé une situation qui est extrêmement difficile, je vous le dis, cause problème insécurité. Blaise, lundi 9 septembre 2024, là, unité lutte contre corruption, ILCC, le net by la justice, rapport enquête que vous avez présenté et 3 septembre passé. Rapport ça, qui concernait dossier corruption, qui a révélé qu'il y a dans l'administration publique, là, et vous n'avez pas oublié dossier et ancien ministre, planification et coopération excellente, vous voulez parler de Aviol Fleurant. Les personnes. Yo gade SNJRS, yo gade DNC, yo gade ONA. Yo remettre ensemble rapport ça yo pour la justice faire et à qui de droit sous question ça. Donc qu'on y a quelqu'un qui dans la République parce que en pile nèg là, yo peut-être penser les rapports qui sont c'était jouette qui t'a fait. Elle c'est pas jouette qui est lié les personnes bagarre dans l'autre dimension. Sous ça qui concernait toujours question information en dedans pays ça, qui concernait question insécurité dans département la Tibonite. Blaise Peterson, Mounti Rivière prend un autre gros coup. Coopérative et pareil. À crédit qui trouvait dans Ti Rivière la Tibonite qui est le Coopécra, qui gagne 27 l'année. L'unique institution financière qui gagne dans la ville là. Depuis 27 ans qu'a servi et communauté à Bandi Bas Gangrifio, allé déchapiller malgré le fermé depuis 2 ans pour cause insécurité. Mais tout ça qui gagne comme données, comme archives, en dedans, Blaise Peterson, Bandi Opote tout net aller dans l'espace là. Tout le monde dirige la Tironique, c'est avec code marérin, parce que caisse a fermé. Yo pense 11 jours que caisse a pral l'ouvrir. Si l'on qui gagne l'argent ou qui dans caisse là, pour au moins que vous avez bon, les tout dossier perdu, vous comprenez que la situation pral triste en pile. Et tout ça, vous fait, c'est sous niveau laxisme, irresponsabilité, complémentaire de l'État, qui d'accord que gagne, grâce à Tironique la Tironique dans tous ses compartiments. Moun yo nan département la Tibonite toujours dans cité de l'indépendance puis rendez-vous pour fouler le béton et demain mercredi pour exiger autorité dans l'état yo pour yo prendre responsabilité yo dans bail matériel dans ville mener bonne opération pour couper gang ZFIS qui en dans pays a qui a bail problème tout partout qui empêche population évacuer avec activité. C'est sous place d'âme Gonaïve qui a rassemblé pour yo parcourir passer devant la mairie et puis vite dans devant et puis statue tout sans ouverture qui dans ville Gonaïve en face direction départementale pour demander autorité qui ça a décidé faire. Est-ce que yo bail département avec bandio pour yo faire ça ou vle ak sa hôpital? Blaise Peterson premier ministre Dr. Garekoni qui te mette pied à terre dans centre-ville Port-au-Prince et en centre-basse, pas oublier que Birol et comme ministre intérieur à collectivité territoriale, c'est en bas qu'elle est. Et bien il parcourt divers espaces pour le vérifier, pour le garder dans qui dimension planification, sécurité capable de retourner en dedans capitale pays qui va gros cassé depuis un bon bout de temps selon premier ministre. Activité a avancé, elle était tout rencontré dans le commissariat de Port-au-Prince pour t'a regarder ensemble frère dame, ville France qui t'a gagné et qui t'a perdu la ville dans intervention que t'a fait dans zone Magloire-Amboise. Et bien cette personne et premier ministre et promettre pour aider la police, l'armée, dans augmenter la capacité d'opérationnel qui prend que sécurité retourne tout le monde en d'un pays à la situation. Et Desi, pas seulement ça, mais n'a dit tout Desi Venez, gagne tout là. Et PM Gaïkoni, gagne information qui t'a circulé que PM n'a été dû faire arriver dans l'hôpital Fontaine dans Cité Soleil, matin, mardi 10 septembre 2024. Non? Mais bah, nous allons regarder les conseils. Est-ce que PM n'a été fait arriver dans l'hôpital ça?
Et s'il est arrivé ça qui dit, ça qui fait, est-ce que c'est une information que, qui était vraiment confirmée que PNL a privé en bas? Mais nous apprenons tout là, quelle information a circulé dans nos oreilles, bandits armés dans le soleil. Monsieur semble là tout même. Il y a eu Paris tant de PNL avec un peu de toute fourmi. Et pour PNL, s'il est privé en bas. Bon, heureusement, il y a que PNL lui-même, il n'y a pas de gain dans le plan pour dériver en bas vraiment, selon tout élément d'information que nous-mêmes nous gagnons. Mais des Ivenes, n'a dit que j'en ai dit, et plus passé une dizaine blindé modèle MRAP à descendre dans la ville de Port-au-Prince, et dans un checkpoint qui raide, couqué ma caque dans le niveau 3 mai, avec un bas pied tout près Kafoudouya, et policiers ont déchargé un bus pour checker sous Mounio, avait dit là, policiers ont pas dans jouette, et y a checké toutes les affaires ici et toutes mauvaises affaires qui ont même tagué dans la tête, tagué dans le plan yo, et qui c'est de monde qui tagué affiliance rapport Kokodaï avec bandi armé Désir Venesse. Et dans l'optique ça, nous allons regarder ça comme information avec collaborateur nous et Claude Naïde Antoine, Jean Tédilan, Jean qui déjà partagé ça ensemble avec nous. Comment que lui-même était déjà capable de remarquer plusieurs blindés, j'en dis à plus passer un dixième blindé MRAP, t'es présent et mobilisé dans l'espace pour descendre dans centre-ville de Port-au-Prince. Claude Antoine, comment est-ce que vous avez comme information? Qui t'aime saluer, Peterson, qui t'aime saluer et des UVNES et tous les amis internautes qui toujours sont avec nous dans l'émission Parler pour changer dans le ça. Eh bien, j'en dis, j'en signale le best Peterson, non, faut qu'on ait 12 Josia. Eh ben pour côté me passer là, eh ben son véritable eh ben marée humaine capable dire comme ça, bon côté eh ben présence force de l'ordre tellement eh ben moi remarqué eh ben présence la police dans côté me passe en pile la présence policière te coupe capable dire et dans niveau 3 mais et dans l'aime ta privé dans niveau 3 même tu remarqué qu'il y a plusieurs modèles plein de modèles MRAP tout même qui t'a pas sorti eh ben dans zone classique dans base normal yo mais pour capable prendre direction et centre-ville pour capable prendre direction Badelma et arriver dans niveau Carrefour au port Blaise yo dispatché ça veut dire séparé on quantité prendre direction Badelma et une quantité yo même prendre direction centre-ville et yo gagne plusieurs et l'autre ciblé des noirs ensemble avec yo c'est surtout et ciblé des noirs yo qui toujours en ben dans tête contrat ça yo qui apprend en direction département sans alors qui a prendre direction notre ville ou du moins dans la direction Badelma, c'est plein de noirs, yo même qui toujours eh ben dans tête pour voir ça yo et Kenyon qui toujours derrière tout. Ça veut dire ça t'a expliqué ces policiers haïtiens qui dans blindé noyau dans tête convoi et pas derrière parce que yo même qui gagne plus habilité sur terrain. Il y a police haïtien et puis l'armée d'Haïti, c'est me dire comme ça. Très bien. Et tu désir c'est aujourd'hui là, c'est ça. Et tu blindé noyau, je nous dis à qui dans tête convoi, c'est policier haïtien qui nan yo et nan que qu'on voit tout et ben gen tunnel de noir tout c'est surtout policier haïtien qui nan yo mais et nan mitan qu'on voit c'est surtout modèle MRAP yo yo même qui nan qu'on voit ça m capable dire j'ai contrôler environ yon dizaine gens tout là là ou ben niveau Carrefour yo séparé yon quantité descend nan niveau Badelma et yon quantité protection centre-ville donc quantité protection centre-ville mais et à côté de présence policière or que nous remarqué et Blaise Peterson n'a pas dans niveau et Kafoudouya entre Kafoudouya et en bas Pierrebois Blaise et ben là il y a blindé à lui-même qui il déchargé complètement un bus qui a sorti bon repos déchargé complètement mettez tout monde à terre et ben a checké sous pièce a checké dans téléphone a regardé